Disney World. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Walt Disney World Quest Magical Racing Tour. Ouais, c'est un petit peu long comme titre. Donc sur PlayStation, sorti en 2000. Et déjà, bon, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est... mais c'est qui ces personnages? Bon sang, la moitié je les reconnais même pas. Alors j'ai pourtant une culture, on va dire basique. Basique de Disney, du monde de Disney, mais il y a plein de persos que je ne connais pas ou je ne reconnais pas du tout. Si vous voyez l'introduction dans le parc Disney, qui ma foi est plutôt bien réussi, on s'y croirait, hein. Enfin, pour son player, on s'y croirait. On va faire start. Et on va voir les modes de jeu. Donc on a le mode aventure, un mode DS, un mode Time Trial, Best Time et le menu option. On va aller dans le menu option. Ah oui, ça c'est pour le... Ouais, ça c'est pour le son. On va garder les voice à 9 et on va garder le son à 8. Voilà, on va faire done. On a donc le mode aventure et le mode VS, c'est Time Trial. On va faire un petit Time Trial. Je suis en anglais, je sais pas si je l'ai sorti en français, mais je pense que oui. Time Trial of a New Game. Oui, on a des personnages. Alors, Chip, je connais. Jusque là, ça va. Baron de Carol, je sais pas qui c'est, on dirait une version bizarre de Ray Fifi Loulou. Je sais pas qui c'est. Oliver Chiclic 3, on dirait un petit peu Je vous trouve tout en version 3. On a Autoplunote, je sais pas qui c'est. Alors évidemment c'est les noms en anglais, donc c'est encore plus difficile de savoir à quand on parle. Lui on dirait un mélange de Dago avec je sais pas ce que c'est trop bizarre. Lui, on dirait le méchant chaque fois dans Mickey, mais bon, même rôle de nom. On a deux persos qui sont à débloquer. Alors, lui, on imagine, voilà, c'est celui du parc, là, celui qu'on voit à l'intro. Lui, je sais pas ce que c'est. On a Dale, donc c'est Tic et Tac, en fait. On a Martha, je crois. Comment s'appelait la méchante sorcière dans Picsou. Elle, je me parle, mais je sais plus dans quel truc c'est. Et on a Chip à nouveau. Bah écoutez, je vais prendre la seule personne que je connais, c'est Chip, hein, donc c'est parti. Et j'ai droit à 3 à 3 lettres, mais c'est parfait à chaque fois, décidément. Quelle chance. Et c'est parti pour le chargement. Donc c'est un jeu de karting, hein, comme il s'en faisait pas mal durant cette période fin 90, début 2000, avec évidemment son lot de licences pour faire acheter ce genre de jeu. Alors on a pas mal de... Voilà, Maison Hantée, Jungle Cruise, on a le Tomorrowland Speedway, le circuit de test, le Typhoon Lagoon, on a les studios... J'ai du mal à switcher. Studio. On a le Blizzard Beach, je crois que c'est ça. Beach, sorry. Dinosaur, ok. On a quoi d'autre? On a les Pirates des Caraïbes. Bah écoutez, je sais pas ce qu'on va faire, hein. On a le Splash Mountain, allez c'est parti, on va prendre ça. Il y a d'ailleurs pas mal de courses, on va voir si elles sont assez différentes. Alors j'ai déjà un petit peu joué avant, puisqu'un ami m'a fait découvrir le jeu. Oh, on démarre dans l'eau. Ok, c'est parti, oh là là, ça commence bien. Alors moi ce que j'ai peur, c'est que les musiques du jeu soient strikées, parce que si c'est les musiques officielles de Disney... On va avoir un peu de mal. Alors, pour commencer, que dire du jeu? Les graphismes sont plutôt bien faits. Si vous regardez, là quand même, c'est plutôt joli. Le maniement est très vif, hein. Je tourne droite-gauche, là, ça fait vraiment... c'est très 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 vif. Le circuit, par contre, elle est assez compliquée, si on regarde bien. Oh là là, regardez-moi ça, ça tourne, ça... Il y a des virages à droite, à gauche, un peu partout. On peut récupérer des pièces. Alors d'après ce que m'avait expliqué mon ami, plus on a une pièce, plus on a vite, je crois. Donc le but c'est de réussir à attraper à chaque fois des pièces pour augmenter un petit peu de vitesse. Oh, on a un joli bateau. Alors le maniement est pas mal, enfin moi j'aime bien dans le sens où c'est vraiment fluide, c'est assez rapide et assez précis. Mais c'est assez... Oh, on arrive à la fin du circuit. Oh, ça descend, on est dans les... Dans la cascade, on a déjà fait un tour. Bon, on va faire à vite encore un petit tour. Ouais, je parle par-dessus la musique parce que
Je sais pas pourquoi Disney, je les sens rarement avec les licences. Donc dans le doute, on va faire gaffe. Cette musique, quoi. C'est assez bizarre d'avoir ce genre de musique d'ailleurs dans un autre karting, hein, vous rendez compte. Alors il n'y a pas que des circuits évidemment dans l'eau, vous imaginez bien. Il y aura aussi des kartings. Je me demande même s'ils vont pas faire comme Diddy Kong Racing, c'est-à-dire avec aussi des engins volants. Ça je sais pas du tout. En tout cas le jeu est très propre, plutôt joli. C'est fait donc par Eidos, ça c'est assez particulier quand même. Pour moi, Eidos ça sera toujours... c'est con à dire, mais ça sera toujours Tomb Raider. Je vois pas faire autre chose. Et Crystal Dynamics, c'est ceux qui ont fait le moteur de rendu, le moteur graphique. Je suis à 10 pièces, donc je pense que je peux pas aller plus vite. Bon, on a fait un tour, je vais faire un dernier tour, on sait jamais, je sais pas ce qu'on peut gagner ou pas. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à gagner, hein, c'est du Time Trial. Je suis déjà à 10 pièces, donc je peux pas aller plus vite. Alors les herbes s'enlèvent aussi, j'ai pas fait attention à ça, mais un petit détail sympa. Non, c'est très propre, c'est très fluide, pour le moment c'est plutôt sympa à manier. Alors j'ai pas trop regardé s'il y avait d'autres vues. Alors, quand je fais R1, je peux sauter. Donc ça j'ai l'impression que c'est un peu comme tout jeu de cartes de l'époque. Par contre je gagne pas de boost hein, quand je saute après un saut, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux utiliser le boost. Ah, avec le bouton L1. Alors, oula, je peux changer le type d'affichage en faisant L2. Donc là, on peut voir la vitesse. Et si je fais R2, eh ben, je me retrouve avec la vue arrière. Oula, la caméra a quoi tombé. Mon dernier tour était plutôt rapide. Bon, après, c'est vrai que j'ai utilisé le boost. Les changements sont pas trop longs. On va avoir un petit podium, façon j'allais dire façon Crash Team Racing, mais oui carrément, parce que je crois pas qu'il y ait... Ceci, il y a un podium de fin dans Mario Kart, mais pas dans beaucoup de jeux. Alors, on va faire back, on va faire carrément le mode aventure, je pense qu'il est plus intéressant. Alors le fait de rentrer mes initiales, est-ce que ça va me faire revenir au endroit? Non, on va faire retour en arrière. Voilà. Voilà, kill game. Faut faire start. Alors c'est particulier quand même que dans un menu il fallait faire start pour revenir en arrière. J'attendais à devoir faire triangle pour venir à chaque fois au menu. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont détaillé vraiment tout le reste, mais par contre la porte d'entrée, non, ils ont dit on va faire une texture, ça sera très bien, on y verra avec du feu. Allez, nouvelle aventure. Alors est-ce qu'il va y avoir une histoire? Well, hello there. Cricket's the name. Jiminy Cricket. And today, I have a tale for you that's sure to make you smile. Well, at least I hope it does. It's all here in my storybook. It started this morning when our friends Chip and Dale were out exploring Walt Disney World and, well, they let their curiosity get the better of them. You see, through a small door in the side of the castle, they discovered a path that leads to one of the hidden treasures of the park, the Walt Disney World Magic Machine. I've never seen such a wondrous creation. And you know, it's used every night to shoot off the most beautiful fireworks. Well, those curious chipmunks got a little too close to that machine and accidentally dropped some of their acorns into it. And the machine didn't like that one bit. It huffed and it puffed and it tried to get itself unstuck, but it was no use. Those acorns gummed up the Gearsatronics and Springle pneumatics so badly that it just stopped working altogether. All our furry little friends could do was run for cover. The machine smoked and it sparked and it blew itself apart, sending pieces flying all over Walt Disney World. So now it's up to you to make sure the fireworks blast off tonight. You've got to help Chip and Dale find the pieces of the machine and put them back together in time for the show. Everyone visiting the park is depending on you. So good luck! Ok. J'aurais dû mettre le jeu en français.
parce que concrètement je n'ai rien vité à ce qui se passe. Bon, on a pris Chop, je peux te prendre un mec horrible. Baron, Poly Roger, Amanda, Tira. Bah écoutez, je vais prendre Dale cette fois-ci. Je pense que chaque perso, enfin tous les persos sont les mêmes, hein. Y a pas de courbe de performance. Welcome to the status screen. This is where you'll be able to track your progress. Oh, and if you'd like a little help, just press the hint button and I'll see what I can do. Ok, donc j'ai commencé à avoir compris, ils vont réparer leur machine, donc il va falloir récupérer les pièces au fur et à mesure en gagnant des coupes et des championnats, je pense. J'imagine que c'est ça. Alors, on a on a les mêmes en fait. Hein. Haunted Mansion, on a Beacon Thunder monté. On va essayer la maison hantée, tiens. Ah, je peux pas. Bon bah, alors on va commencer par cette course. Allez, c'est parti. Je cherche à savoir comment je fais pour utiliser les items, mais en fait c'est L1. Pour l'instant je suis devant, bon j'imagine que c'est la première course donc c'est pas la plus difficile. On a un boost. Oh, apparemment on peut même aller au-dessus. Alors je sais pas à quoi sert tous les items, hein, je les découvre au fur et à mesure. Alors ce qui est dommage, j'ai l'impression qu'on peut pas changer de vue. C'est sûr qu'on est toujours au ras du sol. Là j'ai mis un boost. Alors est-ce qu'il y a des raccourcis? Je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses à faire, hein, des raccourcis un peu dans tous les sens. Ah, quand je pose une Cup of Tea, je pense que c'est un item qui permet de les ralentir. Et voilà, je suis rentré dans un item. Ah, je peux utiliser le boost, regardez. Un peu comme dans tous les jeux, en fait. C'est difficile, c'est à force d'avoir testé des Mario Kart et des Crash Team Racing, enfin des Crash et autres, on n'est plus trop surpris. Voilà, la maison qui bouge, on a la TNT, voilà mon dieu. C'est assez fouillé quand même au niveau de... J'ai fait n'importe quoi. Et ben je suis content de louper. Voilà, par contre il y a quand même quelques ralentissements quand il y a beaucoup de cartes en même temps. Oh là là là, je fais n'importe quoi. Je vais récupérer quelques pièces pour monter ma vitesse. Allez, on va essayer de... Ah, il y avait un boost. Alors, j'ai 4 pièces. Je sais pas ce que c'est les 5 lumières vertes que l'on a, là. Voilà, alors, regardez le jeu comme il lag. Ah, mais c'est tout le monde, en fait, qui a ça. Ok, c'est un item... Alors, on va faire tomber un, on va récupérer sa pièce. On va lui rendre la moitié de la pièce. Bon, allez, dernier tour, on va essayer de faire un peu mieux. On est troisième, deuxième maintenant. Alors j'imagine que les suivants ce qu'on choisit... Ah, c'est carrément un truc à tête chercheuse. Oh non, encore. Je suis encore loupé, on va récupérer quelques pièces pour aller un peu plus vite. Je suis à 9 pièces.
Alors il y a quand même de gros ralentissements, hein. Ça c'est pas pardonnable. C'est un petit peu dommage. Eh, la cup of tea, c'est celle que je me suis pris tout à l'heure. Oh, ça va, ça, genre, j'arrive à avancer avec, hein. C'est pas évident, mais... Je vais pas terminer dernier. S'il vous plaît, pour la première course, je vais pas terminer dernier, c'est trop honteux, quoi. Ah, on a la Bilbol. On a la Bilbol. Il a inventé... Eh bien, ils l'ont inventé avant... Oh, mais c'est pas vrai. Thème bleu, vas-y. Un peu de boost. Oh, je fais n'importe quoi, mais ça peut passer. Ils ont inventé la Bilbol. Enfin, ils l'ont pas inventé dans le sens où la Bilbol existe depuis longtemps, mais dans un jeu, de karting, ils l'ont sorti avant Double Dash, quoi. C'est incroyable. Je crois que c'est dans Double Dash qu'est la Bilbol qui est sortie. Ça n'existait pas avant. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Faites qu'on y arrive. Rien que c'est loupé. Ah, j'ai pas pu prendre d'item. Allez, un item, j'ai encore loupé l'item, on va terminer le dernier. Oh là là là, c'est scandalant, c'est scandalant. Allez, tout ce que t'as, vas-y. Oui, troisième. Eh ben, c'était intense quand même comme course. Hein. Oh là là là. Il faut que je gagne cette course en plus. Bon, c'est pas mal. Par contre, c'est un peu fouillis dans le sens où on a vraiment du mal à... anticiper en fait ce qu'il y a devant nous. Il y a vraiment trop de trucs. Alors je pense aussi que c'est dû au fait que bah il y a des items qui nous pénalisent tous. Voilà, statut 0%, bon bah on a même pas réussi le premier truc quoi. Et j'ai oublié de la finir pour pouvoir passer à la suite. Bah il faut que je la gagne en fait. Ne dis pas qu'on va rester bloqué au premier niveau. Alors j'arrive à utiliser le boost. Ok, ça va aller le coup. J'arrive à utiliser le boost dès le début, enfin le super départ. J'ai pas trop compris comment il fallait faire, mais à chaque fois j'arrive à l'avoir. La Bilbol. Ah ouais, en plus quand je... Ah oui, d'accord. Donc en fait, la Bilbol je peux utiliser, mais si je me crash, là je me plante en fait. Oui, donc on a le dérapage, faut déjà apprendre à l'utiliser, je pense que ça peut permettre d'aller un peu plus vite. Ouais, et évidemment si on l'utilise trop, on se met à glisser. Non, le jeu est vif, c'est bien. Je trouve le jeu... Souvent il y a des jeux de karting, ils essayent de faire un peu comme tout le monde quoi. Et le problème c'est que bah, c'est souvent ultra monotone, les circuits n'ont pas d'âme. Il n'y a pas de... Les cartes sont plutôt lents. Donc on s'ennuie plus qu'autre chose. Je crois que c'était avec... je sais plus quelle licence de karting. C'était un ennui énorme. C'était avec les fous du volant, je crois. Je crois que j'avais fait la version Play 1. Ou la version Dreamcast. D'ailleurs, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir jamais téléchargé cette vidéo. Enfin, jamais uploadé. Il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Allez, toi tu... Ah, mais j'ai plus mon item. Alors, du coup, on va piquer. Attention à la cup of tea. On va récupérer les pieds sur le côté. C'est quoi ce du-du? Ça c'est vraiment la tête chercheuse, je vais y arriver décidément. Allez, on est en tête. Je vais me lancer une cup là. Je vais passer sur le côté cette fois-ci. Alors, ça se passe un peu mieux, on est devant. Oh là là, je me prends tous les murs du jeu. Quoi.
Oh non, pitié. Eh ben voilà, du coup je me suis déconcentré. Qui c'est qui va se retrouver là-bas? Oh non, allez-y s'il vous plaît. Non, non, me bloquez pas. Ah voilà, j'avais plein d'avance. Et maintenant je pense que je vais tout prendre. Voilà, je me fais écraser. C'est parfait. Oh là 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 là. Bah tiens, mange. Oh non! Oh non, mais ça c'est dégueulasse! À peine je démarre, je me prends le mec qui est devant, quoi. Grrr. Allez, une petite loupiote. Non, il y avait la cup of tea. Oh là là, ouais, 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 c'était comme par hasard le dernier tour. Et c'est là où on va avoir le plus de problèmes. Alors, on va envoyer toute la tête chercheuse. Décidément, j'arriverai jamais à le dire ce mot. Non, la cup! Oh, c'est bon. Heureusement, j'ai été. Sauvé par la. Par les noisettes. On va dire ça comme ça. Là je n'y arrive pas, décidément. Faut que j'appuie un petit peu sur, sur R1 pour essayer de glisser. Non, mais c'est une blague. C'est pas possible. Alors là je suis invincible. On va essayer d'en profiter. Ah, ça a pas duré longtemps. Ça a duré encore moins longtemps qu'à Uka Uka de niveau 1. Non, mais c'est pas possible. Oh, je vais gagner quand même. Oui. Oh, c'était inespéré, hein, pouvoir gagner cette course-là. En plus, je crois que j'ai fait le tour le plus lent, 1:45, voilà. Bon, bah au moins, on a gagné cette fois-ci. Bon, je pense qu'on va pouvoir débloquer un autre tracé. Nice going, friend. You've won your first race and earned the first piece of the Walt Disney World Magic Machine. Now. Oups. Bah, j'ai appuyé sur souris qui se fallait pas. Bon, j'ai en gros j'ai récupéré la première pièce de la machine. Donc on va pouvoir continuer. Alors là maintenant c'est le Big Thunder Mountain, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire le Space Mountain? Non. Non plus. Allez, on va faire celui-là. Et j'ai failli oublier de démarrer. Magnifique. Alors, on est dans la neige. Oh là là, magnifique. Quel beau saut. Quel Patrick. Oh là là. Alors, ce tracé a l'air pour l'instant pas mal. Il y a un igloo. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, les cercles de couleurs, je sais pas à quoi ça sert. Par exemple, ça, là. Je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai pas l'impression qu'on va plus vite quand on le prend. Pareil, hein, quand je fais R1 que je saute, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Mais bien sûr, et voilà, du coup, je tourne pile là-dedans. Ah oui, j'ai pas calculé, mais on est en motoneige. Alors. Ça change rien au maniement, hein. C'est quasiment la même chose. En plus, quand j'appuie sur R1, ça me décale à chaque fois. C'est assez bizarre. Oh, le ralentissement, là. Non, mais... Oh là là, c'est scandaleux. Alors encore, la cup, c'est pas ce qui ralentit le plus, parce que si on arrive à bien maîtriser le mouvement... On va dire que ça passe. Et je me suis loupé, j'arrive pas à tourner. Et voilà. Alors j'imagine qu'on doit avoir quand même des raccourcis, mais j'aimerais en trouver, mais je sais pas du tout où ils sont. Enfin, ça se trouve, il y en a pas, hein, je dis ça. Oh là là, c'est ralentissement de l'espace, quoi, c'est assez énorme.
Non, non, je me suis loupé. Alors j'étais à Disneyland pour la première fois l'année dernière. Et oui, il faut bien un jour y aller, hein. Passage obligé dans une vie. bon, à savoir, comme je disais, c'est que c'est pas non plus... Je suis pas très Disney. Il y en a qui adorent ça. Moi j'aime bien, hein, je veux dire, il y a des choses que j'aime bien. Vous savez, quand j'étais gamin, j'achetais les Super Picsou géants. Je sais pas si vous avez connu ça, ça existe toujours d'ailleurs, c'est incroyable que ça existe encore. Et ça m'est... je crois qu'il y a quelques temps j'en avais acheté un, hein, juste par nostalgie. Alors c'est toujours sympa les Super Picsou géants. Et en plus il y a 190 pages je crois. Du coup, bah, quand on a acheté ça, quand les parents nous achetaient ça quand on était gamin, on savait qu'on en avait pour pas mal de temps à lire. Ça c'était bien. J'en avoir pas mal encore, hein, des Super Picsou géants, je sais pas ce sont devenus. Et je me souviens d'avoir eu le numéro 100. Le numéro 100 du Super Picsou géant, c'est un bimensuel. Et pas mal d'histoires, enfin, c'était bien complet. Et j'ai presque envie d'en racheter d'autres en fait, je trouve ça plutôt marrant. Bon, on a fini 4ème, du coup bah, on est même pas sur le podium, du coup faut recommencer. On va quand même retenter une fois. Et ouais, les super... Pardon. Alors ce qui est bizarre, c'est que je suis quand même premier sur le podium alors que je suis quatrième. J'ai pas trop compris. Bon, on va devoir retenter. Ah, je peux en tenter deux. J'ai le dinosaure ou... Je pense que ce qui est en rouge, est-ce que je peux tenter? On va tenter le dinosaure, tiens. Apparemment, on change de véhicule. C'est un perso que j'adore dans les... Oula, on est un monde psychédélique. S'il y a un perso que j'aime beaucoup dans... Si je parle de perso, genre c'est un Street Fighter, c'est... c'est Donald. Pour moi, c'est mon favori. Favori, les Disney, j'adore Bernard et Bianca. Ah, j'ai pas eu le temps de poser mon truc. Et je me fais écraser encore. Eh, c'est vraiment... hein. Des fois, l'IA... Je dis pas que le jeu triche, mais bon... Des fois, on se fait quand même rouler dessus. C'est le cas de le dire. Ouais, les Bernard et Bianca, j'aimais bien aussi. Ouais, Disney. Je trouve que c'était mon favori. Bah, j'aimais bien l'univers, puis ça abordait des thèmes un peu... Bah, pas habituels, quoi. C'est le kidnapping d'enfants, le braconnage... Enfin, c'était pas non plus des thèmes super jojo. Et je trouve que avec la série, on peut dire, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. C'est vraiment sympa. Par contre, ce qui est Tiki Tak, je ne regardais pas. Alors, je sais que ça peut être très bien, hein, j'ai aucun problème. C'est juste que, bah, au bout d'un moment, il faut faire un choix en fait. Il y a tellement de personnages dans la galaxie Disney que. Bah, on peut pas tout regarder non plus. Oh là là là, 6ème. Alors, le problème, c'est que c'est soit, voilà, soit je prends du boost, soit je prends les items. Et du coup, à chaque fois. Bah je prends pas le boost. Je passerai bien entre les jambes du dinosaure pour aller plus vite. Allez, on va tenter de... Non, il y a la cup. Bah c'est bon, j'ai été sauvé par la... En fait, j'ai remarqué qu'il faut pas trop se mettre dans la ligne de course des autres, parce que souvent c'est là où on se prend tous les items. Il faut un peu se mettre à l'écart. En plus là, il faut gagner, hein. C'est même pas, il faut terminer deuxième ou troisième, il faut gagner la course, quoi. Oui, j'aimerais bien gagner le premier coup. Et encore dans le deuxième tour, ça va être compliqué de gagner une course en étant dans le deuxième tour. Ah, c'est trop bizarre. C'est quand même vraiment bizarre parce que quand on arrive dans cette zone là, et voilà. Ah, ça a loupé. Quand on arrive dans cette zone là avec le sort de téléporteur, enfin, on voit pas du tout. On est.
Non mais pourquoi je vais dessus? J'ai l'impression de voir un item à chaque fois que je fais ça. Bon, je vais quand même reprendre mon item vert. J'ai pas compris, hein. Vert, rouge, bleu, je sais pas du tout à quoi ça correspond, hein, concrètement. Le premier est à des années-lumière, j'ai l'impression. On va essayer d'en lui envoyer une deuxième. Allez, on est dans les derniers tours. Ils ont pris un raccourci, c'est pas possible. Ah, il y a un raccourci! Oh non, mais c'est pas vrai! Le mec, il m'a affusté quoi, il m'a envoyé les trois d'un coup. Eh, je peux même pas gagner avec ça. Ah, bah c'est fini. Hein. C'est terminé, on va finir troisième. Bon, bah c'est un échec. C'est un gros échec. Et donc, pour finir avec Disneyland. Bah écoutez, je vous conseille d'y aller, si jamais je vous conseille d'aller au moins une fois, voilà, histoire de voir, pas rester idiot. Après, c'est que c'est assez cher. On a réussi, on est allé en plus, c'était encore les périodes d'été, donc il y avait pas mal de monde. Mais avec le Fastpass, on a réussi à faire pas mal de choses. Fastpass, c'est un système assez particulier, c'est en gros, vous allez devant l'attraction, vous prenez un ticket, un billet, et vous avez le droit à des Fastpass tous les X temps. Hein. Et du coup, pendant que vous faites d'autres attractions, eh ben vous pouvez utiliser ce ticket où vous savez que par exemple, vous arrivez à 9h, vous prenez le ticket, vous savez qu'entre 10h et 10h20, ben, vous allez avoir une marge pour pouvoir passer devant beaucoup de gens. Ça permet d'éliminer les queues et c'est quand même plutôt bien fait. Bon, ben, je sais pas comment on va faire. Je vais retenter le Blizzard. On va voir si on peut gagner la course. Donc c'était pas mal. On a passé concrètement une journée entière jusqu'au soir, jusqu'au feu d'artifice qui, ma foi, était magnifique. Mais bon, après, il faut vraiment être un fan, quoi. Je pense qu'il faut vraiment être. Enfin, faut être un fan absolu ou être un enfant, quoi. Et des passages sympas. C'est super propre. Bon, il y a beaucoup d'étrangers, évidemment. Enfin, moi, je suis pas allé seul. Hein. Je suis allé avec deux amis chinoises. Sans aller plus loin dans les détails. Qui elle aussi y allait pour la première fois. Et d'ailleurs, elle était en France pour la première fois aussi. Donc, c'était un beau combo. Mais c'était plutôt pas mal. Alors, par contre, là-bas, franchement, prenez-vous à manger. Hein, parce que c'est ultra cher et puis c'est pas spécialement bon. Hein. On avait mangé des hot dogs à un moment, pas trop cher. C'était des hot dogs ultra classiques. Ah, ils sont vraiment des 1 en or. Je fais défoncer là. Rien qu'avec ça. Après, voilà, c'est très bon enfant. Il faut y aller en étant réceptif. Réceptif à l'ambiance. Sinon, vous allez vraiment vous ennuyer. Alors, au niveau des attractions, d'ailleurs, les grosses attractions, Space Mountain, enfin maintenant c'est Hyper Space Mountain, je crois que Star Wars a encore changé. Enfin, à l'époque où je suis allé. Bon, bah c'est pas mal, hein, franchement. Par contre, moi je suis un peu grand, donc des fois, pour se faire attacher, c'est un petit peu compliqué, ça fait un peu mal. Mais après, il y a le plaisir, il y est quoi. Oh là là, mais regardez, mais c'est pas possible! Ah, je vous dis, faut pas être sur la ligne, hein. Faut pas être sur la ligne. Oh, ça lag. Non, voilà, là par contre, c'est pas agréable du tout. Hein. Oh, le ralentissement de fou. On va essayer de se caler un peu sur le côté. Je pense que c'est le dernier tour en plus. Voilà, il y a un peu moins de monde, ça va commencer à accélérer. Et voilà, évidemment. Qui s'est fait avoir? C'est moi! Il y a des courses, on se demande comment on peut les gagner en fait. Parce que bah, c'est impossible d'éviter quoi. Si on est à côté, on se fait démonter. Allez, il faut que je récupère un item. J'en ai récupéré aucun. Alors, je devrais utiliser mon boost. Enfin, mon dérapage, mais à chaque fois que j'utilise, bah, j'ai pas l'impression d'aller plus vite. Et en plus, je me plante donc.
vois pas trop l'intérêt en fait. Allez, on prend l'item. Allez, je suis invincible pendant quelques temps, profitons-en. Qu'est-ce que je vais me faire victimiser? Bah, on va finir troisième, hein, ça c'est pas suffisant. Bon. Allez, encore un essai. Bon, enfin, en tout cas, pour vous dire que le jeu est pas facile non plus, hein, ça boîte Disney, tout ça. Bah, pourtant, j'essaie de pas faire d'erreur, je n'arrive même pas à gagner, quoi. C'est incroyable. Donc, niveau difficulté, on est bien placé. Je sais pas si les gosses à l'époque arrivaient à gagner. En tout cas, parce que c'est plutôt réservé aux enfants. Mais c'est vraiment compliqué. Hein. Oh la vache, je n'arrive pas. Hein. Pourtant, je fais pas forcément d'erreur. C'est juste que je me fais pourrir à chaque fois que je me fais rattraper ou que je suis au milieu du tracé. On a les play int. The power boosters will give you a real burst of speed in the turns. To get a boost, just hold that R1 button, then release it while you're in a sharp turn. Oh, and hold on to your hat. Ouais, je pense que, ok, d'accord, il part du boost, va falloir déraper et relâcher au fur et à mesure. Bon, bah écoutez, on va faire back, on va faire un petit tracé en time trial, histoire de... On va faire kill game. Et on va aller en mode time trial. Alors j'ai fait un mode EVS, première fois que je joue à ce jeu. C'est pas mal, hein, on peut jouer en écran splitté. Alors au niveau des licences, je me demande si c'est pas parce qu'il est en... Il est en confrontation avec Speedway USA 64, mais c'est un peu débile en fait, parce que c'est Disney, c'est pas sur Disney. Alors vous avez vu, si j'appuie sur X, j'accélère un peu le mouvement. C'est assez bizarre. Par contre c'est vraiment long hein, quand on veut changer de zone. Allez, time trial, on va essayer un monde qu'on n'a pas vu. On va prendre... Poly Pocket là. Alors on peut débloquer des personnages, je sais pas si on peut débloquer des circuits. Roller Coaster. Bon, on va faire le Space Mountain quand même. Ça me paraît être un passage obligé. Space Mountain en général c'est le truc que tout le monde veut faire quand on arrive dans un parc. Quoi. Même si c'est pas forcément le mieux. Par contre c'est très très intense. Allez, c'est parti. On va juste faire un tour ou deux. Ok, d'accord. Oh. Ah, la musique est pas mal aussi d'ailleurs. En tout cas, on peut dire qu'on tourne en rond là parce que c'est un tracé. On est en forme de tourbillon. Ouais, faudrait que j'apprenne le boost en fait. Je pense que le boost ça peut permettre de... D'accord, ok, je pense que j'ai compris. En fait, on fait le boost. Quand on fait le boost, il devient vert, puis après il va devenir une autre couleur, puis une troisième couleur. Si on relâche trop tard, c'est pas comme Crash Team Racing, on va se planter. Voilà, une fois qu'on a compris, je pense que c'est bon. Enfin, si je relâche au vert, je vais avoir un petit boost. Si je relâche au rouge, je crois que je vais avoir un meilleur boost. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, on va essayer le violet. Ouais, violet, on a un meilleur boost, j'ai l'impression. Voilà, donc il faut faire comme ça. Alors, le plus dérangeant, c'est que c'est quand même. Ça tourne tellement fort en fait qu'on se plante, enfin, on se retrouve de l'autre côté du virage. C'est un petit peu le seul problème que je vois à ce genre de technique. Là, bon, je vais essayer. Hop, un petit boost vert. D'accord, bon je comprends pourquoi le jeu est difficile au début, c'est que si on fait pas ça, bah finalement on perd beaucoup de temps. Voilà, c'est vraiment pas mal, on va passer par là. Oui.
Moi, j'ai... Pareil, hein, pour revenir dans le bon sens, c'est assez compliqué parce qu'on fait que rebondir et puis on tourne très mal en fait. Enfin, on tourne de manière vive. Et pour faire un tour complet, faire au minimum à 180, c'est assez rigide. Bon, bah après, pour finir, que dire de ce jeu? Bah écoutez, il y a un mode aventure qui a l'air sympa. Bon, après, ils ont fait ça de manière très classique. Hein. On gagne une course, on débloque une, on passe à la suivante. Il n'y a rien d'extraordinaire, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas fait par exemple. Bah, le mode aventure dans le parc, quoi. On a pu se balader dans le parc, aller d'un endroit à l'autre, ça aurait pu être pas mal. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait ça. Les personnages disponibles, bon, bah ouais, je trouve que, bon, à part quelques personnages, y a pas trop de licence. Enfin, je sais pas, des gros personnages de licence Disney, c'est dommage. Après, en termes techniques purs, le jeu est joli, hein, plutôt pas mal. C'est parfois fluide, parfois moins. Là, par contre, c'est vraiment dommage. Les sons sont bons et de bonne musique, non, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt un bon jeu. Plutôt un bon jeu. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est un bon jeu. On va finir, je pense, là-dessus. Bon, j'ai pu prendre un boost de niveau violet. Ouais, je pense que j'ai compris le jeu maintenant, en fait, mais... Vous allez dire, c'est trop tard, comme d'habitude. Voilà, je fais que rebondir sur les trucs. Non, c'est une bonne surprise. Franchement, c'est une bonne surprise. J'avais fait le mode de joueur, hein, comme je vous dis, avec les personnes qui m'ont fait découvrir ce jeu. Mais le mode de joueur, bon, on a pas fait 36 000 courses, hein, on a fait quelques-unes. Bon, le Space Mountain est assez, assez sympa. Après, je trouve que les circuits manquent un petit peu de technique. Enfin, ils sont sympas à l'œil, ils sont sympas, mais je sais pas, je vois pas trop de différence. Au niveau des tracés, ils ont beau être étriqués, je vois pas trop de difficultés de gameplay. À part, voilà, 2-3 passages sur d'autres circuits. C'est pas trop compliqué, on va dire. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on va, ben on va s'arrêter là. Sur une victoire envers moi-même, tout simplement. Donc c'est un jeu plutôt bien, vous l'aurez compris, en tout cas moi ça m'a plu. Disponible sur Play 1, sorti en 2000, édité par Disney et Eidos et Crystal Dynamics, enfin édité, voilà, hein, il y a les trois groupes. Quant à moi je vous dis donc à la prochaine, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est juste que j'aurais sûrement oublié du jeu. Mais là je vous avoue, à part devoir finir chaque course pour gagner et débloquer toutes les pièces, je vois pas ce qu'il y a de plus, hein. Enfin en tout cas que j'aurais pu zapper. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.